Yo les gars, on se retrouve pour le vrai entraînement. Cette fois-ci, c'était du top du top. Donc on a commencé par s'échauffer. J'étais accompagné d'une apprenti moutarde. Donc moi, je vais me nommer l'apprenti moutarde dans cette vidéo. Ou peut-être pour les prochaines vidéos aussi. Et du coup, j'étais accompagné d'une apprenti moutarde qui faisait de la moto avec moi cette journée-là. Et donc, nous avons chauffé les motos tout simplement. On a fait des petits tours comme ça. Puis je me suis vraiment plus habitué à la moto justement le premier jour. Parce qu'en fait, le premier jour, c'était carrément de l'entraînement parce qu'il voulait voir mon niveau. Donc c'était pas vraiment un vrai cours. Donc voilà, c'était juste optionnel pour voir comment je me débrouillais, et puis voilà. Donc là on peut voir que je me débrouille plutôt bien. Donc on faisait chauffer les motos, il y avait rien de plus difficile, et puis voilà, vous verrez que au début je vais vous couper hein. Mais voilà, vous regardez, je faisais chauffer la moto tout ça, et puis en plus j'avais zappé de mettre l'embrayage quand je tournais comme un bolos. Donc du coup voilà, maintenant j'y pense, et en tournant toujours mettre l'embrayage. Deuxième exercice, fallait faire la même chose mais s'arrêter de l'autre côté entre les plots sur la ligne blanche continue qui faisait la largeur de la piste. Donc j'ai oublié de préciser que j'ai de nouveaux gants et de nouvelles bottes, c'est pour ça que parfois je galère. Forcément, faut s'habituer, des nouveaux gants, des nouvelles bottes, il faut s'habituer avec la moto. Et puis c'est compliqué, je vais pas vous mentir, c'est compliqué de s'habituer avec des nouveaux habits pour la moto, nouvelle protection si je puis dire. Donc après, pour ceux que ça intéresse, mes gants et mes bottes seront sûrement en description si j'arrive à les trouver sur le net. Donc pas bien plus compliqué, le même tour avec un arrêt. Voilà. Et j'ai oublié de préciser que la caméra est plus basse que la première vidéo. C'est normal, je me suis gouré en la mettant, en la plaçant. Mais vous inquiétez pas, pour la prochaine je réglerai bien la caméra.
Ensuite, troisième exercice qu'on nous a fait faire, c'était pousser la moto. Donc je l'avais jamais fait. Et franchement, c'est chaud. Hein. Je vous garantis que c'est chaud, pousser une petite moto comme ça. Une 500, je vais pas vous mentir que j'ai bien galéré. Et puis, faut s'habituer quoi. Voilà, c'était compliqué. Faut prendre le coup comme tout. Donc du coup, on devait suivre mon moniteur et se mettre face à lui. Et il faisait que bouger pour qu'on justement se mette face à lui. Et là, j'ai même failli foncer dans l'apprenti motarde et tout. C'était un peu le gros bordel, on galérait de ouf. Et puis, un petit salut au moniteur vu qu'on le voit un petit peu dans cette séquence. Même si j'essaie de le montrer le moins possible au cas où. Voilà, c'était vraiment vraiment galère et puis je vous garantis que j'ai bien bien galéré. Donc cet exercice consistait à pousser sa moto et la mettre face au moniteur. We can walk when I'm passing by. I'm your rock. You're always acting shy. I can be yours. Baby, you're so fly. We can talk. We don't have to lie. Donc exercice numéro 4, on peut considérer que le chauffage de moto était un exercice. Donc fallait faire le tour entier de la piste et s'arrêter à des endroits spécifiques que le moniteur nous avait précisé. Et donc il y a des endroits où on devait pas poser notre pied, s'arrêter et regarder au fond bien loin dans l'horizon quoi. Et après la première fois, fallait faire une seconde fois juste après et repartir sans poser le pied. Et ça je peux vous garantir que, encore le mot garantir bien sûr, que c'était super complexe. Puis de l'autre côté, fallait aussi encore s'arrêter une troisième fois. Cette fois-ci on pouvait poser le pied et on pouvait repartir, tourner et faire tout le tour complet. Et je crois que fallait même qu'on passe à la quatrième, fallait qu'on aille jusqu'en quatrième rétrograder avant de s'arrêter et être en première pour partir. She's from New Jersey and her future's looking bright. And she wears the Noah Britton hoodie on her flight. Out to LA when I'm on stage with the mic. What's up, Mark? She don't like guys like me. Cette fois-ci, on avait une piste chacun séparée, donc elle avait sa piste et moi j'avais ma piste. Et on devait faire la même chose, mais sur une piste, donc c'était censé être plus compliqué. Sauf que là, on avait un slalom qui s'était rajouté. Et en plus de ça, au bout du slalom, fallait que je tourne du côté droit. Et donc, du coup, c'est pas mon côté favori. J'arrive pas trop à tourner de ce côté. Et j'ai bien galéré, je peux vous le garantir. Et fallait s'arrêter juste pendant la ligne droite, vers la fin de la ligne droite, pour tourner en fait juste au bout. On avait un petit virage aussi avec un style de triangle de plot. Et on devait tourner autour du côté gauche. Et du coup, parfois, je tournais plutôt bien et je penchais même beaucoup. Même à un moment, mon moniteur a fait waouh, parce que j'ai touché la chaussure. Il a dit tu vas te faire des frayeurs. Et j'ai dit pas ça pour rigoler, malheureusement j'ai pas filmé. Mais j'espère que vous me croirez. Et franchement, je peux vous dire que j'ai même ma botte qui est un peu rayée. Bon, j'ai pas touché tant que ça hein, parce que faut vraiment être dingue. Mais bon, je penche plutôt bien. Et puis je suis fier parce que pour la deuxième fois que je fais de la moto et pour le premier vrai entraînement, je démarrais plutôt pas mal. Et puis à partir des deux pots qui étaient couchés aussi, fallait accélérer et pour pouvoir tourner bien entre le triangle de plot. Au début, je galérais un peu et ensuite, vous allez voir que je vais bien pencher pendant les virages, surtout pendant le virage avec les plots, le triangle de plot. Donc voilà, la vidéo durera moins longtemps sûrement que la première, car on a fait tout le temps la même chose et je vais vous mettre sûrement, je vous ai mis sûrement les meilleurs passages et puis les passages les plus intéressants, bien sûr, bien entendu. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-le moi dans les commentaires comme d'habitude. Je sais que la première vidéo vous avez aimé, il y a bientôt plus de 100 vues et franchement, bien on atteint bientôt les 100 vues et ça va sûrement augmenter. Et je vous remercie énormément parce que je vois que la moto ça vous plaît et que voir un permis, un jeune permis, un jeune passer le permis plutôt, ça vous intéresse. Mais écoutez, je vais continuer tout le temps de mon permis et puis voilà. Prochainement, je filmerai que quand je serai vraiment chaud, c'est-à-dire pas le début du permis, on s'en fout quand je m'échauffe, etc. Mais quand je suis vraiment chaud, ou même si c'est d'exercices différents, je filmerai la deuxième heure parce que filmer deux heures la caméra tient pas, puis c'est un peu galère si je dois changer de batterie en plein milieu du cours. Voilà, c'est pas top. Donc voilà, n'oubliez pas le petit pouce bleu aussi et de vous abonner si c'est pas déjà fait, de partager la vidéo aussi si vous le voulez. Et puis moi je vous remercie encore pour tout et puis je vous dis ciao ciao, à la prochaine pour une prochaine vidéo.
trying to make all this money in abundance. Talking about 20s and 50s and 100s. I make hit after hit, I know that it's coming. I've been a trick star with the way I've been running. Should know that I'm destined for greatness. Everyone always be hating, everyone wanna be famous. Nobody wanna be hated, I'm sick and tired of seeing these two faces. Where nobody's saying shit, I've been the one that's been playing shit. No star, but I'm famous. As you watch from behind where all of the players sit. Another year or two, know that I'm making it. Why no one's saying shit? Why do I feel like I'm faking it? Don't even know why the fuck I'm debating this. Is this all a part of the show? Tell me it is, I don't know. They don't really know, they don't really know. They don't really know, they don't really know. They don't really know, yeah. This is what you came for, this is what you paid for. They don't really know, they don't really know, yeah. They don't really know, they don't really know, yeah. They don't really know, they don't really know, yeah. What the fuck you stay for, this is what you paid for. Me and my team do it different. Used to make music while chilling in Christensen. No one would listen. Now I get paid when they listen. I'd rather make beats, I don't care what I'm missing. I can't sit by and wait for your permission. Gotta go do this shit all for my team. Everyone sleeps, not everyone dreams. And one by one, they all align with my vision. I know that I'm good, I just gotta go do it. Commit to a life full of music. Not under all of this public influence. Like I'ma do me and choose what I'm pursuing. Like I'ma do me interesting over what you've been doing. Running in place, but I'm actually moving. Is this all a part of the show? They tell me it is, I don't know. They don't really know. They don't really know.